Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo haul. Donc du coup dans cette vidéo il y aura du Kiabi et du Zalando privé. Donc c'est parti. Du coup je suis allée à Kiabi il y a quelques jours parce qu'il me manquait quelques petits trucs pour les filles surtout. Bon j'ai pas trouvé beaucoup de choses mais je tenais à vous les partager. J'ai trouvé des trucs trop mignons pour Serena. Donc on va commencer de suite pour Serena. C'est Romain qui a choisi. Il lui a pris la doudoune mini. Regardez comme elle est trop belle. Elle était tellement contente. Dedans les moutmoutes. Et après c'est une doudoune classique. La fermeture est dorée. Hop, voilà. On l'a pris en 3 ans et elle était à 28 euros. Voilà. Donc elle n'était pas avec nous, il n'y avait que sa sœur. Du coup, quand on est arrivé, qu'on lui a montré, qu'on lui a fait essayer, elle était ravie. Elle adore Mini, vous le savez. Donc, Romain, il a voulu y prendre ça. Bon, est-ce que c'est une bonne couleur pour les enfants? Je ne sais pas. Mais comme les motifs étaient plutôt kiki, il a dit c'est pas grave, on y prend. Bon, on y a pris. Du coup, je vous prends dans le désordre parce que du coup, il y a dans le désordre. Pour Juju, niveau veste, vous savez que j'ai des surchemises, des vestes en jean, des choses comme ça. Et elle adore les vestes pilou pilou. Et là, j'ai dit choisis une veste. Et la seule qu'elle a voulu choisir, voilà, c'est une pilou pilou, mais noire. Elle n'avait pas noire, donc elle en a une beige, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est une pilou pilou. Bah, dedans, c'est du coton. Et en bas, vous avez le liseré qui est argenté, mais noir. Voilà. Donc on l'a pris en 8 ans. Elle était à 17 euros. Donc elle est vraiment épaisse quand même, donc elle m'a dit dépêche-toi de la laver que je puisse la mettre. Donc c'est pour ça que je voulais tourner la vidéo assez rapidement pour pouvoir les laver, pour pouvoir pour qu'elle puisse les mettre parce que je vous dis pas, elle voulait pas attendre. Du coup, la deuxième veste pour Serena, c'est celle-ci, c'est moi qui l'ai choisie cette fois-ci. Vous connaissez mon amour pour les Levi's et les Sherpas. Et bien là, ils ont fait des Sherpas Kiabi. Bon, beaucoup moins cher du coup, comme un peu les adultes, et c'est mini, donc tada. Je l'avais vu sur une vidéo YouTube, oh, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu, et là il y était, donc là vous voyez, vous avez des petits trucs de mini, là, voilà, et dans le dos, elle est grave stylée quand même, et elle est toute moutmoute dedans, mais c'est une sherpa, hein. Du coup, je cherche une sherpa jean moutmout pour Juana, du coup, mais il y avait Mini, bah, je trouve que ça fait un peu bébé pour son âge à Juana. Donc, il faut que j'y en trouve une pour qu'on ait toutes les trois une veste comme ça. Donc, elle est trop kiki. Alors, du coup, on l'a pris en 3 ans aussi et elle était à 27 euros. Donc, voilà. Après, je ne trouve pas ça donné. Je pense que Kiabi a augmenté un petit peu leur prix parce que je pense qu'à l'époque, on aurait trouvé ça pour un peu moins cher. Mais bon, c'est parce qu'on a flashé dessus et qu'elle va la porter un bon moment, mais je trouve qu'ils ont un petit peu augmenté leur prix. Vous me direz si vous trouvez ça aussi. Après peut-être que c'est moi qui me fais décider et que j'ai tellement l'habitude d'acheter sur les ventes privées que du coup tout me paraît cher, mais bon. Et pour finir, pour Serena, je voulais des t-shirts un petit peu avec des dessins, vous savez, pour la main quand il fait un peu chaud. Rien, il n'y avait que du manche longue. Donc du coup moi je voulais du manche courte. Je m'y prends un peu en retard, je le sais. J'en ai un t-shirt de peau, mais blanc. Et je me suis dit, pour la mam blanc, voilà, j'aurais voulu des couleurs un petit peu sympas. Vous voyez, kaki, des trucs un peu comme ça. Rien. J'en ai trouvé un de Mini et j'ai trop kiffé. Donc voilà, c'est Mini Mickey. Et il est en côtelé, donc il est super agréable. Je l'ai pris en 3 ans et 8 euros. Voilà. Il est trop kiki. Franchement, elle a essayé, il lui va nickel. J'ai pas l'impression qu'il taille bien grand non plus, hein, mais bon, on verra. Et on va finir avec moi. Ouais, on va finir avec moi. Du coup, je vous avais dit dans mon ancienne vidéo Kiabi que j'avais vu des puces en manche en laine un peu court, style université, vous savez, truc américain. Et bien là, ils y étaient encore et il y avait ma taille, donc c'est au rayon ado par contre. Donc, le rayon ado, ils font quelle taille? Ils font du XXS au M. Donc, si vous faites du M en taille femme, et bien, du coup, vous pouvez aller... Donc, je ne l'ai pas essayé. Mais pff, franchement, M, je pense qu'il me va. Et j'aurais même peut-être pu prendre S. Mais M, j'ai pris... j'aime bien si c'est un peu grand. Donc, il est super beau. Il est vert.
Il y a un A. Et voilà, il est assez long celui-là. J'ai trouvé ça trop sympa. Donc là, je vais pas vous les porter parce que j'ai froid. Donc j'ai essayé de mettre ma chemise déjà pour être un petit peu apprêtée parce que j'étais avec ma veste Edwige. Donc voilà. Mais si vous voulez me voir porter les vêtements, rejoignez-moi sur Insta. Je vous remets mon compte Insta ici. Vous voyez toutes mes tenues du jour. Donc vous la verrez très prochainement portée. Et si vous la voyez pas, c'est que ça va trop grand ou que ça fait pas. De toute façon, je vous mettrai une annotation si je la garde pas. Donc voilà, je vais l'essayer de suite après. Et j'ai pris le deuxième qu'ils avaient en blanc. Donc là, il est tout simple. Vous voyez, ça fait un peu style laine travaillée devant. Dans le dos, il est basique. Et celui-là, il est court, mais bon, ça se voit. Donc il y a du rouge, du blanc et du noir. Je me dis que ça ira avec beaucoup plus de choses que le vert. Mais j'aimais trop ce style. Et depuis que j'en veux un de trucs comme ça, ben, j'étais bien contente. Je ne vous ai pas dit le prix du vert. Le vert, il est à 14 euros parce qu'il est un peu plus long. Et celui-là, il était à 12. Ouais, il est à 12. Donc pour le prix, même si on le met un ou deux ans, en fait je pense que même vous pouvez le garder parce que ça reviendra à la mode et des couleurs basiques comme ça, vous arriverez toujours à les assortir. C'est pas comme s'il y avait un gilet comme ça orange, vous voyez? L'orange fait pas la mode tous les ans. Le blanc, vous pouvez. Moi après je suis pas à la mode en fait, j'ai pris ça parce que ça me tentait depuis un petit moment. Donc, mais vous si vous suivez la mode, c'est sûr qu'autant dans un an vous le mettrez plus quoi. Et pour finir. J'ai pris une blouse, un bout de chemise on va dire, donc en M, 18 euros, un gaze de coton. Est-ce que je vais vous dire encore que j'aime cette matière? On va passer, on va pas en discuter, juste j'avais pas ce modèle là. Et cette couleur je l'avais mais pas en cette, comment dire, j'avais pas vraiment qu'il fasse un peu plus hiver, même si c'est du gaze de coton, vous voyez. Donc déjà vous avez les manches comme ceci et resserrées. Et là, vous avez des volants. Mais je l'ai trouvé tellement classe avec les petits boutons et tout. Même ça, avec le truc en laine vert dessus, ça peut faire super sympa, quoi. Et moi, vous savez que j'adore ce genre de vêtements. C'est ma passion, quoi. Donc voilà. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Et pour finir, du coup, des chaussettes. J'ai pris des chaussettes basico, basiques pour du Anna. Voilà, en 31-34, c'est des invisibles sneakers. Donc il y en a combien de paires? 7 paires. Donc il y en a. Il y a 4 blanches et 3 noires. Et franchement, pour 4 euros. Donc ça valait plutôt le coup. Et franchement, pour faire le sport et tout, c'est très très bien. On va passer à Zalando privé. Donc là, je vous partagerai les liens de Kiabi, bien sûr, comme d'habitude. Par contre, pour Zalando, ben, vous savez très bien que je ne peux pas vous partager parce que sur Zalando privé, les ventes restent 3 jours. Donc, je me rappelle à peu près des prix pour un, c'est sûr. Au pire, je vous mettrai les prix juste ici, comme d'hab. En premier, j'ai pris pour Serena un petit survêtement Adidas. Donc, il est. Voilà, vous savez, truc nid d'abeille. Voilà, rose, rose. On ne peut pas faire mieux. Donc par contre, il est très grand et je me suis gourée et pourtant je sais que sa taille est grand. J'ai pris du 2-3 ans. Elle le mettra. Pas encore. Je pense qu'elle le mettra d'ici 6 mois, un truc comme ça. Mais bon, on l'aura. Je l'ai payé 20 euros. Quasi. Je vous mettrai de toute façon. J'ai trop aimé. Rose. Et voilà, avec le pull, le sweat. Franchement, une très très bonne matière. Vous savez que j'adore les survêtements Adidas comme ça pour les enfants. Juana en a eu plusieurs. Et là pour Serena, j'aime trop. En plus, ça, c'est les Adidas originales. Parce que vous avez le signe comme ça. Parce que vous avez aussi les Adidas Performance. Il me semble que c'est ça. Du coup, c'est un petit peu moins cher, mais c'est pas du tout les mêmes matières en fait. Ça fait beaucoup plus sport performance que là, c'est plus style, on va dire. Voilà. Donc pour 20 euros, j'étais bien contente. Un Adidas, sachant que ça coûte 50 euros. Voilà. Après, c'est quelle marque tout ça? Eh bien, les trois sont de la marque Monki. J'avais acheté plusieurs choses sur cette marque. J'en ai renvoyé. Et je vais vous montrer ce que j'ai gardé du coup. Donc j'ai gardé un bustier noir comme ceci. Voilà, il est. Il m'arrive au nombril. Donc ça, je me dis ça pour mettre des fois avec un blazer et une taille haute.
ou pour mettre sous une blouse un peu transparente sans avoir un truc trop moche. Je pense que ça peut faire sympa. Ils étaient pas chers, je crois qu'ils étaient à 7-8 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc je les ai pris en taille M. Et j'aurais même pu prendre la taille. Ah non, non, celui-là c'est bon. Parce que j'avais pris un en taille M. C'était trop grand. Non, celui-là ça va à peu près. Parce que c'est une matière très élastane. Je sais pas si vous verrez. Mais franchement, très bonne qualité. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai pris le même en blanc. Je me suis dit pour mettre sous les blouses blanches, ça peut être super sympa, vous voyez. Bon, ben, du coup, ça fait 3 semaines qu'ils sont dans mon placard. J'aurais pu les mettre quand il faisait super beau. Maintenant que le temps se gâte un petit peu, ça sera dessous. Donc voilà, j'ai pris les deux. Et pour finir, j'ai pris un gilet. Alors celui-là, je l'ai pris en taille L. Il a un organique coton. Parce qu'en fait, c'était le dernier. En fait, il restait que du L. Donc du coup, et comme j'adorais la couleur et tout, je me suis dit, c'est pas grave. T'aimes bien les gilets un peu loose. Et c'est l'effet que je voulais. De toute façon, je voulais pas les gilets trop serrés, trop machin. Du coup, je l'ai pris vert. J'aime beaucoup trop. Il est bien, bien épais. Vous voyez, ça se voit, je pensais. Vous voyez, il est quand même assez épais, de bonne qualité. Il y a des boutons couleur un peu cahier tortue, je crois qu'on dit. Ouais. J'ai bien aimé. Franchement, je trouve super sympa. Bon, là, je viens de changer de couleur de cheveux. Est-ce que ça va bien se marier? On verra. Ça sera un peu la surprise au moment qu'on le mettra. Et là, je me dis le matin, partir avec ça et avec un jean et tout. C'est vachement sympa, quoi. Pas besoin de suite de mettre des perfectos et voilà. Ça peut faire, je pense, le matin. Donc, et comme vous savez que moi, je ne porte pas de pull l'hiver ou très très peu parce que j'aime pas trop ça. Je préfère des gilets en fait. Comme ça, au moins, si ça me gonfle, je peux l'ouvrir. Ça peut faire un style aussi en fonction de ce qu'on met en dessous. Vous voyez, même avec un truc comme ça en dessous, c'est sympa. Ou avec un caraco avec les petites dentelles, vous voyez. Je trouve ça trop kiki. Donc, vous me direz ce que vous en pensez de la couleur parce que je super beau et j'adore le vert et apparemment le vert met de bonne humeur donc du coup si ça peut nous mettre encore plus de bonne humeur la journée c'est encore mieux. Écoutez, on a terminé avec mes petits achats petits voilà si parce que ça chiffre quand même rien que Kiabi j'en ai eu pour 100 et quelques euros. Je trouve que ça va trop trop vite mais bon il est fallait. Bon les doudounes peut-être pas mais j'ai envie de vous dire, vaut mieux qu'elle ait plusieurs vestes parce que s'il y en a au sol, il faut bien qu'on arrive à tourner. Parce que l'hiver, le temps que ça sèche et les choses comme ça, moi je les mets pas au sèche-linge. Donc du coup, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah!